Home isn't always where we live. For most of us, we live in many worlds. Home is an indefinable space. It lives in our hearts, in our minds. My son. Our future. And our past. Home is where we get lost. Where we live our wildest lives. Where our people await us. Joining together. Push forward! And in the end, finding ourselves. All of our many selves. Where we can be bold. Where we seek, but never hide. Where you always feel at home. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette soirée, la première conférence de l'année. Ce soir, c'est l'ouverture de la BlizzCon Online. La BlizzCon Online, comme ça s'appelle exactement. Donc voilà, on va faire ça ce soir. La cérémonie devrait commencer dans à peu près 50 minutes, donc à 23h. Et elle devrait durer environ une heure, du coup, pour cette soirée. J'espère que vous allez bien. Un petit tour sur le programme de la semaine prochaine sur la chaîne avant de s'attaquer réellement à la BlizzCon. Donc, comme vous pouvez le voir, mardi soir à 21h, je vous proposerai sur la chaîne YouTube la première du film du jeu vidéo, mon dernier film, sur Hitman. Donc voilà, ce sera mardi soir à 21h sur la chaîne. Et on aura deux lives sur Twitch, comme d'habitude. Et Dangerous, mercredi, en espérant qu'il fonctionne cette fois, pas comme hier, où on n'a pas pu le faire tourner. On fera du Farm Ingénieur, du coup. Et jeudi soir, avec Keto et Void, on va essayer le jeu For the King. Donc voilà, ça devrait être assez sympathique. Donc, ce soir, on a la BlizzCon Line. Comme ça s'appelle exactement. Je vais vous montrer. On va commencer par regarder le programme de cette. Non, on va regarder plutôt, excusez-moi, la promo d'abord. Alors attendez, je vais vous la retrouver. Hop. Et on va regarder du coup la vidéo de bienvenue à la à BlizzCon Line. Où est-ce qu'elle est passée? Alors forcément, je vais l'avoir perdue. Elle n'est pas avec les autres. Bien joué. Bah, du coup, on va regarder autre chose pendant que je la cherche. On va passer du coup sur le... Hop là. C'était pas la bonne. C'était... Voilà, je me mélange dans ma régie. Voilà, c'est là que je voulais aller. Ok, donc on va avoir le programme. Donc sur les deux nuits qui viennent, vous allez pouvoir avoir la BlizzCon Online. Avec... là. Aujourd'hui, du coup, la cérémonie d'ouverture qui va être de 23h à minuit environ. Ensuite, donc pendant la nuit, vous allez avoir différentes choses sur différents salons, sur les différentes chaînes de Blizzard. C'est là que ça va se passer. Donc, vous allez pouvoir switcher sur différentes channels, sur les différents endroits. Donc, la chaîne World of Warcraft, la chaîne Hearthstone, la chaîne Diablo, la chaîne Overwatch. Et alors la chaîne stratégie, je ne sais pas ce que c'est que cette chaîne-là qui est utilisée.
pour faire cette série-là. Mais bon, ils ont. Je suppose que ça doit être la chaîne StarCraft, hein, mais je ne suis pas sûr de moi là-dessus. Mais voilà, et vous allez pouvoir accéder du coup aux différents panels sur toute la nuit, une partie de la nuit, et puis ben, dans la nuit de demain à après-demain. Donc on va avoir du World of Warcraft la suite, tout ça, on va en parler un petit peu. Tout sur Hearthstone, donc je suppose qu'on aura la nouvelle extension d'Hearthstone qu'on va sans doute nous présenter ce soir. Le Diablo avec bah, peut-être du Diablo 4, du Diablo Immortals et a priori aussi le Diablo 2 remaster ou remake, je sais pas trop comment ce que ça va être. Donc ça voilà, vous pouvez avoir ça jusqu'à 2h30 du matin à peu près, avec sans doute une clôture de la journée. Et là, ça reprendra, hop là, pardon, à 9h demain soir, où on aura donc de nouveaux panels avec aussi des compétitions. Donc là, c'est la compétition d'art qu'il y a tous les ans à la BlizzCon. Je sais pas trop où est-ce qu'il me semblait qu'il y avait un truc sur les cosplays, mais bon, peut-être que ça se passera dans la célébration de la communauté, je sais pas trop. Et voilà, et du coup, hop là, et on terminera le dimanche 21 février autour de 1h30 du matin. Ce sera la fin de cette BlizzCon Line, comme ils appellent ça. Donc voilà pour le programme de cette BlizzCon. On y reviendra tout à l'heure, de toute façon. Allez, puis on va regarder du coup cette fois-ci, j'ai retrouvé ma vidéo du pré-show de Bienvenue à la BlizzCon. C'est parti. Hi, folks. We are so looking forward to coming together on February 19th and 20th for our first ever BlizzCon Line. When we were thinking of this event, we started by looking at our favorite elements of BlizzCon and which of those we could reimagine for a virtual-only experience. Key pillars like building the show with you, the community, thinking inclusively and globally, prioritizing safety for all involved, and of course, representing the latest and greatest from Blizzard games. An online show has also created unique opportunities to pull back the curtain a bit at Blizzard, share with you what's been going on, Voilà, nous partager un petit peu tout ce qui va se passer ici face à Irvine Blizzard, campus. And in notamment sur le February, campus. we have the special once in 30 year opportunity Et c'est to également tie our les 30 ans plans to de an epic Blizzard. Blizzard anniversary. So top level, here's what you should know about our show. Et Tune voilà ce in qui on va se Friday, passer February pendant 19th. la BlizzCon That first day is about what's new. We start Ce off premier with jour, c'est opening sur tout ce qui est neuf ceremonies, and avec from la there, cérémonie our game d'ouverture. teams will share more of their deep dives on what they've been working on. Instead of stages, we have À la multiple place channels for you des to check sets, comme on a l'habitude, out. on You can aura follow des your différents favorite canaux sur lesquels franchise on pourra during the centrer. duration of Et comme BlizzCon ça, on Online, pourrait aller or voir jump directement around, ce que vous follow your intéressez meet. sur cette And most BlizzCon Line. everything will be available by VOD Et la after plupart it's des choses aired, seront so don't disponibles worry about missing out. en VOD Day à la 2, suite Saturday, de la February BlizzCon. 20th, is about leaning in with our global community. We'll start the Le day deuxième with journée, il est Q&As, concentré responding to sur your avec top la questions and communauté, comments. avec Then we'll reveal the community des Q&A, donc showcase you questions helped et us réponses. build. And after that, feature talented artists, chefs, and more. Voilà, et le tournoi Both des artistes, days will comme on have a a vu tout de suite. sprinkling of fun game competitions. For instance, we'll see Overwatch Il League y aura un peu de champs, the compétition, San comme par Francisco exemple Shock, les San competing Francisco against other Shock, top les players in some vainqueurs de crazy la environments. Overwatch League qui That's feront just des the matchs top-level rundown. d'exhibition. Please be sure to check out what else we have in store on BlizzCon.com. And Voilà, we've et tout le learned a reste est lot disponible in sur creating this show. blizzcon.com. We hope it will capture some of that connection we're all missing and probably appreciate now more than ever. Et on espère que ça Signing créera off un for peu now, hope les to see you connexions on the qui nous 19th. manquent tout particulièrement en ce moment, et qu'on s'aperçoit qu'ils nous manquent surtout. Donc voilà en gros ce qu'on nous prépare pour cette BlizzCon Line. Donc bah forcément, par rapport à la BlizzCon habituelle, cette fois-ci, pas de gros tournois avec d'habitude on pouvait avoir les championnats du monde d'Hearthstone, les championnats du monde, enfin la finale de l'Overwatch League, ce genre de choses. Tout ça, bah, malheureusement, il n'y en aura pas cette année, forcément. Donc, a priori, il y aura seulement les San Francisco Shock qui feront des matchs d'exhibition, du coup, pour, voilà, pour s'amuser un petit peu contre différentes équipes. À voir ce que ça donnera, c'est sur Overwatch, mais j'ai l'impression que c'est la seule notion e-sport qu'on va avoir cette année. Il n'y aura pas non plus de StarCraft. Donc, voilà. Si vous aimiez tout ce qui était e-sport, par contre, sur la BlizzCon, bah, malheureusement, cette année, ça va être compliqué. Ok, on est à peu près un petit peu plus de 40 minutes du coup du début de cette conférence. Moi j'ai déjà le channel ouvert, donc
donne 41 minutes et 45 secondes exactement avant le début. On va passer un petit peu en revue tout ce qui, les prédictions un peu sur ce qui pourrait être annoncé ce soir. On va commencer par les choses simples, hein. Ça, je vous en ai déjà parlé. Hop là, je vais chercher la vidéo qui correspond. Elle est où ? Elle est là. Forcément, ce soir, on va très certainement avoir le droit à une nouvelle extension Hearthstone. Comme à chaque BlizzCon. On va dire que là-dessus, je m'engage sans trop de surprise, on va dire. Voilà, donc ça, c'était la vidéo de la dernière extension. Alors personnellement, j'ai pas suivi Hearthstone depuis un bon moment. J'avoue que j'ai arrêté de jouer. Donc je sais pas trop où est-ce qu'on est dans le jeu, mais... Imagination. Les ombres dansent à l'infini. Réveille les âmes endormies. Derrière toute chose qui lui, on dirait qu'elle vous suit. En plus, elle vous sourit. À la voix de Voilà, donc ça c'était la dernière extension Hearthstone qui est sortie. Donc ce soir, évidemment, je pense qu'on va nous annoncer une nouvelle avec sans doute un nouveau mot-clé. Et puis on verra quelques cartes sans doute, mais sans doute pas tout, comme d'habitude, pour pouvoir avancer un petit peu dans le jeu. Je sais plus à combien d'extensions on en est, mais ça fait quand même un petit moment que ça c'est en cours maintenant Hearthstone. Donc voilà, il y a commencé à y avoir quand même pas mal d'extensions et pas mal de cartes si vous voulez jouer un petit peu à tout. Je sais pas trop si c'est je sais même pas si c'est le début d'une nouvelle saison. Ça doit être le début d'une nouvelle saison bientôt, parce qu'il me semble que ça doit être en mars en général, le début des saisons. Donc enfin de nouvelle année. Donc voilà, on va sans doute avoir un turnover des extensions en même temps. Il me semble que c'est en mars, mais je suis pas sûr. Donc voilà, donc ça évidemment, je pense qu'on en aura ce soir. Ça fait pas trop de doutes non là-dessus. On connaît pas encore le sujet évidemment de cette nouvelle extension ni les mots clés, mais voilà, c'est assez classique, on va dire, une extension Hearthstone pour débuter, enfin, peut-être pas pour débuter parce qu'en général ils débutent avec du Warcraft, souvent avec du Warcraft, mais bon. Starcraft, je pense pas qu'on en entendra parler malheureusement cette année. En tout cas, il y a aucune rumeur dessus qui pourra annoncer un Starcraft. On va passer sur quelque chose que j'attends un petit peu plus par contre, enfin que je suis un petit peu plus intéressé par, c'est Overwatch 2. Overwatch 2, du coup, avec notamment l'expérience solo et la partie PvE et le mode histoire. Donc à voir un petit peu ce que ça peut donner tout ça. Donc là, c'était le trailer de gameplay qui est sorti lors de la dernière BlizzCon, donc en novembre 2019. Et par contre, ça a déjà été annoncé par Blizzard que Overwatch 2 ne sortira pas en 2021, donc il ne faut pas l'attendre avant au moins un an. Donc voilà, ça va prendre un petit peu de temps encore avant de pouvoir mettre la main dessus, mais je pense que ce soir, on aura des nouvelles dessus. Les rumeurs annoncent un nouveau héros, de nouvelles cartes et des informations sur le mode histoire. Alors, je sais pas si on verra tout sur la cérémonie d'ouverture, mais on en verra peut-être un petit peu plus sur tout ce qui va être panel, notamment. A lot of lives are riding on what we do next. We'll have to fight. Ouais, alors ça c'était le trailer de gameplay, je vais pas vous mettre, normalement il y avait le trailer histoire aussi, mais bon, ça on va laisser un petit peu de côté pour le moment.
That's teamwork. Time to learn some new tricks. Ah, donc a priori il y aura un système d'apprentissage. Hey, chill out. Have a strike. Do not worry, I will push it. Okay, other direction. I am good at pushing things. Sojourn here. Voilà, donc Overwatch 2 qui sort. Alors, ce jeu-là, il est un petit peu bizarre. C'est que, en fait, les joueurs qui ont déjà Overwatch 1, a priori, enfin, d'après ce qu'ils avaient annoncé lors de la dernière BlizzCon, ont accès à Overwatch. Alors, ont accès à toutes les cartes d'Overwatch 2 et au mode. Donc, c'est un petit peu bizarre comme la manière dont ce jeu est marketé. Mais je pense que c'est plutôt pour les joueurs qui n'ont pas encore Overwatch et qui. Veulent faire peut-être plus du PVP ou du PVE, du PVE ou un mode histoire, donc voilà, contre l'environnement plutôt. À voir ce que ça va donner. Ce qui est sûr du coup, c'est qu'il ne sortira pas cette année. Blizzard l'a annoncé, donc pour éviter d'avoir trop d'attentes pour la BlizzCon, ils ont annoncé déjà que de toute façon ce jeu-là ne sortirait pas cette année. Mais je pense quand même qu'on aura des nouvelles infos et qui sait, peut-être que vu qu'on est sur Overwatch, il y aura peut-être aussi un nouveau personnage pour Overwatch 1. Peut-être que ce sera même le même héros que celui qui est censé nous être annoncé pour le 2. Donc voilà, à voir ce que ça va donner. Est-ce qu'il y aura une nouvelle carte aussi ou est-ce que ça attendra peut-être la sortie du 2 directement? On ne sait pas trop pour l'instant. Mais surtout, ce qui m'intéresse, moi, c'est d'avoir des informations sur le mode histoire pour voir un petit peu tout ce qu'on va réellement pouvoir faire et en quoi va consister l'histoire. Donc il y avait le trailer d'histoire qui a été fait en CGI qu'ils ont fait pour la dernière BlizzCon avec l'heure 0, ça s'appelle, et il a Overwatch qui se reforme, qui se reforme, et du coup voilà. Bonsoir RP, bienvenue à toi, comment vas-tu? Non, quoi non? J'ai dit une bêtise ou c'est non, c'est dommage, ça sera pas cette année? Bienvenue à toi. On a parlé d'Hearthstone et on est en train de parler d'Overwatch pour l'instant. Je crois que c'était 22h30, c'est désolé. Bon, t'inquiète pas, pas de problème. On a débuté il n'y a pas longtemps, on a fait un tour sur le programme de la BlizzCon, la BlizzCon Line, un peu à quoi ça allait ressembler. On a parlé d'Hearthstone avec la future nouvelle extension qui va sans doute être annoncée. Ça, je pense que je ne m'avance pas trop là-dessus en disant qu'il va y avoir une nouvelle extension Hearthstone. Et on est en train de parler d'Overwatch 2. On a regardé le trailer notamment de l'année de 2019 avec le trailer de gameplay. Mais voilà, on n'a pas encore parlé de WoW, donc ne t'inquiète pas, on va pouvoir en discuter. J'espère que tu vas bien en tout cas, bienvenue à toi. Ça... On est de toute façon à encore une demi-heure de la cérémonie. Hearthstone, tu le continues? Non, moi j'ai arrêté de jouer à Hearthstone, il y a un petit moment de ça maintenant. Et du coup, c'est vrai que je suis pas trop l'actualité, mais je suis en train de faire un peu les prédictions de ce que je vois pour la BlizzCon cette année, et clairement une nouvelle extension Hearthstone, ça me semble pas trop sensé. WandaVision. Alors WandaVision, j'ai pas encore vu l'épisode donc d'aujourd'hui, donc merci. Voilà. On spoil pas. Mais je le verrai ce soir sans doute après la BlizzCon. Quoi, tu utilises un cœur qui n'est pas le cœur de la chaîne? Mais c'est n'importe quoi ça. T'es un vrai toi, pourquoi? Parce que je veux pas de spoil sur WandaVision, c'est possible. Je vois pas de quoi tu parles là.
Bon, ben révolte. Voilà, donc sinon on était sur Overwatch 2, Overwatch 2, donc il ne sortira pas cette année, parce que tu suis WandaVision. Ouais, j'adore WandaVision en plus. Moi j'adore le MCU, donc de toute façon, voilà. Oula, mais j'ai quelques chutes, j'espère que je vais pas avoir trop de chutes de 4G pendant la conférence, on verra bien. Au pire, je descendrai un peu la qualité du stream. Donc voilà, pour l'instant je surveille toujours, hein, on est à 31 minutes du début. Donc je disais Overwatch 2 qui ne sortira pas cette année, qui sortira pas avant 2022. Donc, mais je pense qu'ils vont nous en parler quand même pour nous annoncer des choses. Comme j'ai dit dans les rumeurs, on annonce un nouveau héros, une nouvelle carte et les informations sur le mode histoire. Donc moi c'est le mode histoire qui m'intéresse le plus sur cette partie-ci. Allez, on va passer au jeu suivant qui va nous intéresser. On va regarder lequel on va parler d'abord. On va parler, tiens, de... on va parler de ça. Ça, ça a fait polémique à son annonce lors de la BlizzCon en 2018, il me semble. It was the power of creation and the birth of our eternal conflict. From the high heavens to the burning hells, our desire. Il y en a qui ont demandé pendant les questions, les Q&A, si c'était un 1er avril décalé. And so, I gave my life to destroy it. Diablo Immortals, c'est ça. Un jeu mobile, du coup, par Blizzard. Et alors, la grosse rumeur sur ce jeu-là, c'est qu'on pourrait avoir sa date de sortie. Enfin! Hop là! Ok, alors, le stream vient de se lancer pour la BlizzCon. Donc, je surveille, hein, mais on est qu'à 29 minutes. Pour l'instant, je coupe le son, on verra après. On va continuer de discuter entre nous. Ah mais c'est vrai que le premier trailer en soi on voyait pas mal quoi. 22h30 c'est chez eux, c'est ça. Et le pire de ce jeu-là, c'est que ceux qui l'ont testé en bêta disent que c'est plutôt pas mal pour un jeu mobile. Donc à voir. Par contre, il y a des rumeurs aussi, je vois dans les rumeurs un peu de prédiction, c'est qu'il pourrait y avoir d'autres annonces sur mobile. Donc peut-être que Blizzard va se lancer un petit peu plus dans les jeux sur téléphone. Et ça, on verra bien ce que ça donne. Franchement, tu essaieras? Bah écoute, je joue pas trop sur mobile, mais peut-être que j'essaierai aussi, ouais. Diablo Immortal, là il y avait le plus, il disait wouh! Ok, t'es content quand on a fait ça, et après, il est disponible sur mobile, iOS, et alors là, ça. Ouf, la salle s'est calmée d'un coup. C'était ça. Mais en soi, en fait, le problème, c'est que le trailer est très beau, quoi. Sauf que ça correspond pas du tout à un jeu mobile. Le jeu, j'ai une vidéo de gameplay, d'ailleurs, de Diablo Immortals. L'app gameplay trailer. Je crois que cette année, il voyait venir un Diablo 4. Forcément, en plus, il y avait des grosses rumeurs d'un Diablo 4 sur Internet avant le... avant la BlizzCon, et je suis pas sûr que Blizzard ait démenti avant la BlizzCon ce qu'ils ont fait l'année d'après.
C'est pour ça que cette année, ils ont clairement dit Diablo 4, ce sera pas en 2021, Overwatch 2, ce sera pas en 2021. Comme ça, on se fait pas avoir. Alors, ils sont pas au top côté communication, mais c'est toujours mieux que Crystal Dynamics et Square Enix. Oh, un petit, allez, un petit tac sur Marvel, sur Avengers. Voilà, en soi pour un jeu mobile, ça a pas l'air mal, quoi. S'ils arrivent vraiment à ce niveau là en termes de graphisme et tout ça, ça peut être sympa quand même à jouer. Après, voir le modèle économique du jeu aussi. Mais alors là, c'était levée de bouclier sur la BlizzCon cette année là avec la séance de questions-réponses qui était très drôle. Parce que les jeux, voilà, les gens voulaient pas trop de ça, mais voilà, c'était assez intéressant quand même de voir. Blizzard ne fait pas normalement de pay to win déjà, ouais, normalement. Après, jusque-là, ils faisaient pas non plus beaucoup de jeux mobiles, enfin, c'est leur premier jeu. Pour moi, c'est leur premier jeu mobile, tout simplement, je crois. Donc voilà, ça c'est le stream officiel. Donc vous voyez, on est à 25 minutes encore du début de la cérémonie, donc on a encore un petit peu de temps. À voir, voilà. Et puis maintenant que la présidence a changé, parce que jusqu'à il y a 2 ans, on avait l'ancien président de Blizzard qui était encore là. Maintenant, c'est le nouveau. Donc, genre, j'ai oublié les noms, cherchez pas. Ils ont des applis, c'est tout. Ouais, bah oui, mais c'est des applications genre le Battle.net, ce genre de choses, quoi. C'était pas des jeux, quoi. Cheers. Mais voilà. Du coup, à voir ce que ça va donner, ce petit Diablo Immortals. Normalement, ce soir, on nous annonce la date de sortie. Peut-être même que ce sera dès aujourd'hui, hein, qui sait, c'est possible. Il s'appelait Mike Morheim, l'ancien, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, il était bien, mais après, là, il vient de remonter un studio avec des anciens de Blizzard, justement, où ils ont annoncé 3 jeux, je crois, en production. Enfin, ça va être un studio pas mal, j'ai oublié le nom du nouveau studio. Je vais retrouver ça. Mark Morheim. voilà, oui, c'était tout à fait, c'était ce nom-là. Et. Fondation de la maison disque Blasphemous Entertainment. Oh là, il est bizarre le wiki. Alors attendez, quel studio il a fait? Il y a très peu de choses sur sa page France, sur la page EN. Dreamhaven, ça s'appelle, voilà, le nouveau studio de Michael Morheim, Dreamhaven. Elle est aussi à Irvine, Californie, donc comme le campus de Blizzard. Et il travaille sur un jeu appelé Secret Door and Moonshot Games. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, il y a ça qui fait. Et maintenant, le nouveau président de Blizzard, c'était celui qui gérait World of Warcraft, il me semble, avant. De tête. Mais voilà, donc Diablo Immortals, dont on aura normalement la date de sortie. Et alors, le Diablo dont on attend plus, on l'attend un petit peu plus, ça va être celui-là quand même. Même s'il a annoncé qu'il ne sortira pas cette année. Donc ce ne sera pas avant 2022. Donc je pense que ça donne vraiment l'impression. Parce que c'est Diablo 4 évidemment. J'ai vraiment l'impression en fait qu'ils ont lancé le développement du jeu.
après le fiasco de la BlizzCon avec Diablo Immortal, où ils se sont dit, tiens, il y a quand même beaucoup de monde qui attendait Diablo 4, il va peut-être falloir faire quelque chose. Ce trailer est trop gore pour toi? Alors c'est le trailer de gameplay normalement que j'ai mis. C'est pas le trailer avec l'espèce de reine là, qui sort avec du sang, tout ça. Executions, agony, suffering surrounded me until my turn comes. They burn my eyes, break my bones. Lise de mémoire. Ouais, alors, je connais pas du tout l'univers Diablo, donc c'est possible. There's no one left to stand against them. T'entends, bah après c'est pas mon genre de jeu ça, donc et bonsoir Gauthier, bienvenue à toi, comment vas-tu? Qu'est-ce que t'as raté? Alors rien, la cérémonie n'est pas commencée, là on fait un peu les prédictions pour la cérémonie. La cérémonie commencera à 23h. Dans une vingtaine de minutes à peu près. Donc Diablo 4, pas avant 2022. Ok, trailer de Diablo, c'est ça, c'était le trailer de gameplay de Diablo 4. Parce que c'est le moment où on va en parler un petit peu. Blizzard a annoncé que Diablo 4 ne sortirait pas cette année, comme Overwatch 2. Donc voilà, il faudra pas l'attendre avant 2022, mais cette fois-ci ils l'ont. Alors pas avant 2022, ils ont pas annoncé de date. Attention, ils ont dit sortirait pas en 2021, mais ils ont pas encore dit qu'ils y sortiraient en 2022. On peut encore être décalé. quelle tristesse, Marie. Mais voilà. Donc mais cette fois-ci ils ont pas fait la même erreur qu'il y a deux ans quand on parlait de communication, c'est qu'ils ont communiqué des choses avant. Donc là, pour éviter qu'il y ait trop de hype autour des jeux, ils ont dit, bah écoutez, Overwatch 2 et Diablo 4, les attendez pas cette année, on verra ça plus tard. Donc voilà. En termes de Diablo, donc on a vu Diablo Immortal, dont on devrait avoir la date de lancement ce soir, normalement. Ça devrait être l'annonce à ce niveau-là. Et ce que je disais, donc pour résumer rapidement, on aura, je parie, sur une nouvelle extension Hearthstone. Ça, ce que je disais, c'est que je m'avance pas trop, parce que il y a tout ça à toutes les BlizzCon, une nouvelle extension Hearthstone. Overwatch 2, où on devrait avoir un nouveau personnage, une nouvelle carte et des informations sur le mode histoire, normalement. Diablo Immortals avec la date de lancement. Des infos sur Diablo 4. On parle beaucoup aussi d'un Diablo 2 remaster, mais je ne sais pas si c'est officiel ou pas. Mais voilà. A priori, il y aurait un Diablo 2, alors je ne sais pas si c'est un remake ou un remaster, qui serait en cours de travail, en tout cas chez Blizzard. Donc ça, on devrait aussi peut-être en avoir des nouvelles. Voilà, ça devrait être pas mal. Attendez, je voulais regarder un truc en même temps. Ok. Voilà. Donc ça résume un petit peu tout ce qu'on a vu pour l'instant. 18 minutes de la conférence. On va avancer un petit peu. Qu'est-ce qu'il nous reste comme jeu? Il va nous en rester un quand même. Ça va être celui que RP va attendre, je suppose. Beyond the veil lies the Shadowlands.
where every soul has its place. On devrait avoir du coup la suite de l'extension Shadowland de World of Warcraft, et a priori elle devrait s'appeler Chains of Domination. Ce que tu fais sur ton autre écran actuellement. Attendez, j'arrive. J'ai fait spoiler le titre déjà. Ah bah c'était... Ouais. Ah oui, je vais spoiler les choses un petit peu avant. Mais bon, après c'est des rumeurs, hein. C'est des soi-disant leaks, donc à voir si tout va se réaliser ou pas. Mais alors RP, tu vas peut-être pouvoir nous expliquer, c'est quoi? C'est un événement dans le jeu ou c'est vraiment comme une deuxième partie de l'extension? J'avoue, vu que je connais pas WoW, j'ai un peu de mal à visualiser tout. C'est prévu jusqu'à 3h, c'est ça? Alors ça c'est la BlizzCon. Moi je vais faire que la cérémonie d'ouverture qui va couvrir de 23h à minuit. C'est là qu'il y aura les annonces. Après il y a les différentes conférences spécifiques aux différents jeux. Je remontrerai le planning éventuellement tout à l'heure quand on aura fini de discuter de WoW. Mais voilà, la cérémonie d'ouverture c'est 1h, donc entre 23h et minuit. Donc voilà, donc on va avoir sans doute le premier event de l'extension de... Alors c'est un patch avec du contenu supplémentaire, toujours dans l'extension de Shadowlands. D'accord, donc voilà. Donc la première extension dans l'extension, premier ajout de contenu dans l'extension en plus de la sortie, qui devrait s'appeler Chains of Domination, les chaînes de la domination à peu près. Et alors attention RP, je vais toujours peut-être spoiler si tu n'as pas entendu ça, mais... Il paraîtrait qu'il va y avoir sans doute encore une grosse annonce aussi côté World of Warcraft. Je suis en train de la rechercher. Je te mute. D'accord. Pas de problème. Ouais, il y a la vidéo aussi. Hein. Mais voilà, on pourrait avoir ça qui pourrait ressortir. Imprisoned for 10,000 years. Banished from my own homeland. Je croyais que t'avais muté RP. And now you dare enter my realm. Et c'est Shane Walker, bienvenue à toi, comment vas-tu? Alors attention RP, c'est que des rumeurs, t'aurais dû... Ah, je suppose que tu as deviné de quoi on parle toi, mais... Bah écoute, ça va bien, on est content de pouvoir revivre une conférence, la première de l'année pour moi. On teste un petit peu le niveau dispositif, j'espère juste que la 4G tiendra jusqu'au bout, mais voilà. Dès la première seconde, t'as reconnu. Ah, j'avais prévenu avant là par contre. J'ai entendu. Ah, les Murlocs. J'ai entendu des rumeurs sur cette annonce. Ouais. Ah, c'est clair que dès que tu lis les trucs, c'est un petit peu. On se fait vite spoiler les choses.
Et en effet, donc on pourrait avoir World of Warcraft Burning Crusade classique, donc qui ressortirait sur les serveurs classiques, donc avec le WoW classique qui était sorti il y a 2 ans de ça maintenant à peu près. Donc on aurait donc la première extension de WoW qui était sortie à l'époque. J'avais marqué la date, j'ai pas retenu. Burning Crusade, je sais plus quand est-ce que c'est sorti. C'est une extension de WoW. Alors, c'est la toute première de WoW et ce serait sur du WoW, le WoW classique. Pour le WoW normal, on va dire normal, ce qui risque d'être annoncé, ça s'appelle Chain of Domination et ça fait partie de l'extension Shadowlands. C'était sorti en 2007, The Burning Crusade. C'est la première qui date de genre 2005-2006. A priori, 2007, d'après ce que je vois. 16 janvier 2007 en Europe et Amérique du Nord. Donc voilà, donc a priori, donc c'était une question qui se posait, savoir si WoW classique allait évoluer avec les événements comme on connaît. A priori, du coup, ça va être le cas, puisqu'il y a la première extension qui va sortir. Il existe un WoW parallèle appelé WoW classique. Ah oui, j'avais vrai que j'ai pas expliqué ce que c'était WoW classique. Mais bon. C'est en fait, c'était il y a 2 ans, ils ont ressorti la toute première version de WoW, enfin remise au goût du jour, un petit peu, mais la toute première version de World of Warcraft, avec les quêtes de l'époque et tout ça, et là, on arrive à la première extension. Voilà, et je crois qu'elle avait été bien appréciée, celle-là. Alors, quand je vois les notes, elle a 4,8 sur 5 sur Google, donc c'était une extension qui avait bien fonctionné. Mais voilà, c'était cool tout ça. Allez, on est à 10 minutes du coup du début de la conférence. Pour rappel, pour ceux qui n'étaient pas là, il y a Odor sur la cérémonie d'ouverture. Ouais, j'ai vu qu'il y avait un truc musical pour l'instant. Donc en plus, comme c'est de la musique, je vais pas prendre le risque de mettre le son. Mais en effet, t'inquiète pas, je surveille, hein, c'est là. J'attends juste que ça démarre pour mettre. Mais voilà, c'est Odor. Odor. Bref, et pour ceux qui posaient la question tout à l'heure par rapport au planning de la BlizzCon, ce soir du coup, alors si on prend les heures françaises, à 11h on aura la cérémonie d'ouverture jusqu'à minuit, et cette nuit vous allez avoir différents panels avec, en fonction du jeu que vous voulez suivre, donc du Overwatch 2, du StarCraft, donc peut-être un petit peu de StarCraft, Diablo, Hearthstone, WoW, et comme ça, et ça va aller jusqu'à quasiment 3h du matin. Tu vas pas tout regarder, mais c'est pas si tard. C'est clair que c'est court en fait par rapport à d'habitude. Et ça reprendra à 9h demain soir avec différents panels également. Et a priori, une cérémonie célébration de la communauté entre 10h et un peu après 11h demain soir samedi. Et ça ira jusqu'à 1h30 du matin dimanche. Mais voilà, toi t'attends surtout les news sur Overwatch, et du coup on devrait avoir des informations normalement sur Overwatch 2, même s'il ne sortira pas cette année, je le rappelle une nouvelle fois. Hop, on est à 8 petites minutes, pour ceux qui veulent voir plusieurs panels en même temps, pas de souci, on peut voir le contenu plus tard, c'est ça. Comme je l'ai dit au début du live, pour ceux qui étaient là, la grande partie des panels seront disponibles en VOD plus tard. Donc vous n'êtes pas obligé de tout suivre en direct cette nuit, vous pouvez regarder ça demain à tête reposée. A priori, de toute façon, il faut se déplacer sur les différentes chaînes YouTube de Blizzard pour avoir les différents panneaux. Donc sur le planning, en fait, sur le planning, il y a la chaîne en fait, sur laquelle il faut aller pour voir le panneau concerné. Donc la chaîne Blizzard classique, le World of Warcraft, Hearthstone, Diablo, Overwatch. Et alors stratégie, je vais supposer que c'est une chaîne StarCraft, mais je ne sais pas ce que c'est que cette chaîne. Donc voilà. Et c'est disponible aussi sur Twitch également, il me semble. C'est équivalent des stands en gros en temps normal. C'est ça. En fait, ils disent qu'ils n'ont pas de scène. Il n'y a pas de différentes scènes comme il y avait d'habitude avec la super scène Overwatch dans l'arène en ronde qui est super belle. J'adore cette scène. Ni la petite scène Hearthstone avec la taverne, tout ça. Là, du coup, ça va être des vidéos de toute façon qui vont être diffusées. On peut malheureusement faire que ça en ce moment.
Et malheureusement, ce qu'on disait, c'est qu'il n'y aura aussi pas d'e-sport cette année. Il y a juste un match d'Overwatch, un show match qui va avoir lieu avec les San Francisco, j'ai oublié le nom de l'équipe, enfin l'équipe de San Francisco, en tout cas celle qui a gagné l'Overwatch League. Mais voilà, d'habitude, c'est vrai qu'il y a les championnats du monde de Hearthstone, il y a l'Overwatch League Grand Final, c'était de temps en temps, c'était à la BlizzCon. Enfin, il y avait en tout cas des gros tournois de e-sport, et moi, c'était ça que j'aimais bien regarder. Ah, les chocs, c'est ça. Qu'il devrait y avoir du coup normalement un match. Mais j'aimais bien regarder en fait les matchs d'e-sport sur des jeux que je connaissais pas. J'ai regardé il y a 2-3 ans de ça, j'ai regardé un peu de e-sport sur WoW, alors que je joue pas du tout à WoW, j'ai rien compris. Mais voilà, j'avais regardé un petit peu tout ça. C'est normal qu'elle soit moins conséquente. Bah oui, c'est ça, c'est en ligne. Mais c'est bien qu'il y en ait une. Mais par contre, c'est dommage de l'avoir décalé de 6 mois par rapport à la normale. Ils auraient eu le temps de prévoir, faire des vidéos et tout ça. Petite pause de 2 petites minutes pour moi avant le début de la BlizzCon. Parce que j'ai, à force de parler, j'ai un petit peu soif. On se retrouve dans 2 petites minutes. Je vous remets la musique, la vidéo d'intro que j'ai faite pour ça. Et on se retrouvera donc à quelques minutes du lancement de la BlizzCon. À tout de suite. Home isn't always where we live. For most of us, live in many worlds. Home is an indefinable space. It lives in our hearts, in our minds. My son. Our future and our past. Home is where we get lost. Where we live our wildest lives. Where our people await us. Joining together. Push forward! And in the end, finding ourselves. All of our many selves. Where we can be bold. Where we seek, but never hide. Where you always feel at home. Allez, de retour du coup pour la suite. Bon, pour l'instant, c'est encore de la musique. On est à 3 minutes 50 du début du show. Voilà, pour l'instant, on a toujours Odor qui fait de la musique. Il y a quand même une petite annonce sur Heroes of the Storm. Ça, je pensais pas qu'on aurait une petite annonce quand même sur Heroes of the Storm qui est passée rapidement. Tous les héros sont jouables gratuitement jusqu'au 20 mars à partir de maintenant. Donc voilà, si vous jouez encore à Heroes of the Storm, je ne savais même pas que ce jeu était encore en vie. Du coup, tous les héros sont jouables gratuitement. Un petit point juste avant de passer complètement sur la BlizzCon, pour vous rappeler que mardi, vous aurez sur la chaîne YouTube la première de... Là, je fais un peu l'autopromo, le petit peu l'autopromo avant de commencer. La première du film Hitman que j'ai réalisé qui sortira du coup à 21h mardi sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas, moi je serai dans le chat pendant la diffusion, mais ce sera sur YouTube et pas sur Twitch. Et du coup, pour le reste de la semaine, on aura du Elite Dangerous mercredi et For the King jeudi. Voilà pour le planning. Ok, 2 minutes du lancement. Je ne mets pas le son encore parce que j'ai toujours peur que ce soit de la musique protégée. Vivement jeudi. Ah bah, j'ai vu que tu avais l'air d'être motivé pour For the King, en effet.
Mais on verra bien ce que ça va donner. Moi, j'ai pas essayé encore. Ce sera pure découverte. Je joue pas au jeu avant. Mais voilà. Ça devrait être cool. On jouera avec Void et Keto. Voilà. Et puis, je voyais pendant ma petite pause là, vous parliez du concours de cosplay. Alors, par contre, je ne l'ai pas vu du tout sur le planning. Je ne sais pas du tout où ça va se situer. Peut-être pendant le show communauté, mais voilà. Je sais pas du tout quand est-ce qu'ils feront leur concours de cosplay cette année, ni comment ils vont le faire d'ailleurs. Parce qu'avant, c'est vrai que les gens en cosplay venaient sur scène avec le fameux qui a fait le personnage de South Park qui joue à WoW. Attends, comme ça là. C'est vachement bien ce cosplay. Je sais pas pourquoi il le ferait cette année. Bah, ça fait un peu plus de contenu, on va dire. Alors, est-ce que ça je perds quelques images, j'ai l'impression là. Est-ce que ça va chez vous, la qualité? Sinon, je vais baisser un tout petit peu ma qualité de mon côté. C'est parce que je dois sans doute regarder la vidéo en même temps. Ah, excellent le cosplay. Mais ah oui, je crois que oui, il est décédé malheureusement. Ils ont divisé ça en canaux. C'est ça. C'est ça, en fait, ils vont se servir des différentes chaînes YouTube, si j'ai bien compris, pour faire les différents panels. Allez, 1 minute. Pendant la conf, on passera en plein écran, comme d'habitude. Dites-moi juste rapidement la qualité, ce que ça donne. Qui est décédé? Celui qui a fait le cosplay du personnage de South Park, hein, qui joue à WoW. Donc j'ai oublié le nom de personnage, mais voilà. Qualité, ok. Bon bah nickel, très bien. Allez, ça va commencer dans une vingtaine de secondes. On devrait pouvoir remettre le son. Ok, là je pense que ça doit pas être mal en termes de son. Mais bon. Allez, c'est triste, bah oui. C'est triste quand quelqu'un. Je me perds un petit peu tout seul. Allez, c'est parti du coup pour la BlizzCon. That feeling of just knowing a game is right for you when you first lay eyes on it is such a great feeling. The thing that happens is you start to feel the excitement just build up. I'm thinking about it all the time. Ok, donc ça c'est les streamers qui sont connus qui parlent des jeux. On est un tout petit peu plus fort. N'hésitez pas à me dire comment elles sont. Ils aiment les histoires, explorer des mondes qu'on ne peut pas explorer dans la vraie vie. Le son est bas, on va remonter encore un peu. Bon, en fait, on va mettre à fond, quoi. Là, c'est bien, parce qu'il faut. Je peux pas mettre plus fort, de toute façon. Donc, nickel, on va nickel. Très bien. Made sense to me. I will tell you that all of my family play video games. Me and my brothers. Parfait, on va nickel. Merci pour le retour. Voilà, ils jouent tous à des jeux, hein. Ça, jusque-là, on est d'accord. My little sister, that connection between video games, allowing us to converse with each other, added a lot to our relationship. Games like the World of Warcraft let me meet people that I probably never would have. I can honestly say. Ah, les jeux bizarres m'ont permis de rencontrer des gens que je n'aurais pas pu rencontrer autrement. We have this connection that allows us to share our joys. Alors, je perds des images là. Enfin, je vais baisser légèrement la qualité. Every time I'm able to achieve something, I'm able to make myself proud. Killing heroic Blackhand back in Warlords of Draenor was one of my favorite memories. J'ai l'impression d'avoir quelques drops malheureusement. J'espère que ça ne sera pas trop compliqué. Vivement la fibre. Et bonsoir Phoenix Manus, bienvenue à toi. Grâce à Blizzard, je me suis rencontré. Voilà, c'est la partie où on est tous super contents, on adore Blizzard. Voilà. Est-ce qu'on aura des news sur Warcraft 3 Reforge? Ah, il a tué le roi Lich. Ah,
Many years ago, I was doing a quest in Terracar Forest. Comment vas-tu, Phoenix? Bienvenue à toi. Came up and said, "Would you like a hand?" They helped me for the rest of the day. We've been married now for over a decade. Those video games filled a void. They filled the friendships that I didn't have. There isn't a huge LGBTQIA+ community in my city. Voilà, alors là on est sur la communauté LGBTI+. Who didn't really care that I was a gay male. But video games were my escape. When I was a teenager, my dad was diagnosed with ALS. And I looked to video games. Et voilà, et les jeux vidéo qui aident aussi à soigner des maladies. C'est reality. Everything happens for a reason. C'est chiant ce genre de message, je trouve. C'est tellement c'est tellement que de la com, ce genre de message. Bah ça va bien, merci. Et toi? Bah oui, tu vas bien, a priori, tu m'as dit. Ça va bien, on profite du début de la BlizzCon. On attend les annonces, parce que là, pour l'instant, c'est le message. Tout le monde est beau, tout le monde est gentil. Tranquille. Merci d'être avec nous, en gros. De pleurer avec nous, de rire avec nous, de soigner avec nous, de faire plein de trucs avec nous, de jouer avec nous. Les 30 ans de Blizzard. Welcome. To BlizzCon Line. Bienvenue sur la BlizzCon Line. Une célébration de 30 ans de la communauté Blizzard et 30 ans des jeux Blizzard. 30 ans, c'est beaucoup d'années. Et l'année dernière, c'était peut-être une des plus longues de Blizzard Entertainment, from 1991 to today. Et depuis 1991 jusqu'à aujourd'hui, certain games with milestones in our lives. La plupart d'entre nous peuvent associer un événement dans sa vie à un jeu de Blizzard. Quand par exemple au lycée, sur Diablo, ou que vous avez rencontré votre partenaire en jouant à WoW. C'est ce qui se passe dans les jeux vidéo. Ça nous donne des expériences qui sont importantes à des moments de notre vie. Games are here for us during good times. Les jeux sont là pour nous dans les bons temps, oui. Et ils sont là aussi quand on se ressent, quand on se sent seul. Les jeux sont familiers, confortables. Et même si beaucoup d'entre nous ont passé 2020 dans notre vraie maison, les jeux c'est vraiment un endroit pour nous échapper. Even if just for a little while. Même si c'est juste pour un petit moment. So, this is pretty weird. Ok, c'est assez bizarre. Usually, when we start BlizzCon, the opening call is my favorite Warcraft faction. D'habitude, quand on lance la BlizzCon, on lance d'habitude en parlant de l'Alliance. Ou l'autre. I'd be speaking to 40,000 of you in person at the Anaheim Convention Center. D'habitude, on est au Convention Center à Anaheim avec plein de monde. Et il y a des millions d'entre vous à travers le monde. Ça, ça aurait été parfait pour célébrer les 30 ans. Mais rien de la dernière n'a été comme d'habitude. Ouais, je sais qu'il y a quelques pertes, malheureusement. Mais s'il y a un truc que l'année dernière nous a retenu, c'est que ça ne nous empêche pas d'avancer. Ça ne nous empêche pas de nous connecter avec nos amis en jeu, en tant que guerriers ou héros. J'espère que ça va aller comme la qualité. Les jeux continuent de nous unir. Pour être honnête, je ne savais pas comment Blizzard pouvait travailler depuis la maison. Il y a des milliers de personnes qui travaillent et qui doivent travailler ensemble, qui doivent créer des univers, des jeux et des expériences. Blizzard game. 2020,
that the magic of creating a blizzard isn't just tied to a physical location. C'est compliqué là, j'ai l'impression. It's tied to the people who work here, and I continue to be so proud of each and every one of them. Thank you, Blizzard. Merci Blizzard. We create these games and pour all jeux. Of our energy and heart into them. Et elle a mis but toute notre énergie. The Blizzard community that brings them to life. Mais c'est vous, la communauté bizarre, qui les amène à la vie. Ah, j'ai l'impression que c'est tellement compliqué, le stream. Healers, DPS, tanks. Attendez, je vais essayer de baisser un petit peu la qualité de la vidéo, mais... Innkeepers, Zerg, Terran, Protoss, Blackwatch, Shimada. Alors pourquoi c'est ce soir que c'est pas stable du tout? And of the Storm. These next few days ok, ça va être un petit peu mieux. Désolé pour ça, j'espère que... Ouais, ça... For World of Warcraft, il y a encore des drops, je sais pas trop pourquoi là par contre. What's next for both Shadowlands bon, pour World of Warcraft, on vous dira ce qu'il y a de next entre... entre le normal et le classique, et on brûle d'impatience. Hearthstone qui va évoluer. On a hâte de vous montrer comment. We also have news for our Diablo community. On a des nouvelles aussi pour Diablo. To dip your toes into the depths of hell in the Diablo Immortal technical alpha. I personally il y avait notamment les retours sur l'alpha. Il y a quelques coupures. Ouais, j'ai essayé de diminuer un peu la qualité des choses pour essayer de faire, mais je peux pas descendre encore plus quoi, après. J'espère que ça ira. Désolé pour ça. Là, c'est le problème d'être sur une connexion 4G pour ma part. The Overwatch League will be kicking things allez, off on commence spring, par l'Overwatch League qui commencera au printemps. Et on va voir si les San Francisco Shock peuvent continuer de leur règne. World of Warcraft Esports is back. World of Warcraft Esports est retour avec l'Arena World Championship. In full swing in Shadowlands. C'est déjà parti dans Shadowlands. StarCraft 2 et Warcraft 3 Esports continue d'être avec l'ISL dans l'ISL Pro Tour. Already underway for the first online stop of the 2021 Hearthstone Masters Tour. Et les qualifications sont déjà lancées pour le premier event Hearthstone de l'année. Là c'est nickel. Bon bah écoutez, on va voir. Mais le problème c'est que c'est comme c'est une collection 4G, il peut y avoir des drops à des moments. En 4G, oui, j'attends la fibre pour l'instant dans mon nouveau logement. Et pour l'instant, tant que je l'ai pas, je suis obligé d'être en 4G parce que ma connexion ne peut pas supporter le stream. Là, c'est good. D'accord. Bah écoutez, j'espère que ça va tenir, franchement. Il faut que ça tienne encore 50 minutes. J'ai un petit peu perdu du coup le fil de quoi il parlait. Personally was a master of configsys and autoexecbat. So many simple things in simple times. If only we could relive them. Si seulement on pouvait revivre. Ah, le bizarre arcade, c'est ça que j'ai oublié dans les prédictions. J'en ai entendu parler en plus. Là, ça va être en fait une sélection des tout premiers jeux vidéo bizarres sortis en 91-92. Avec trois jeux de légende. The Lost Viking, Rock'n'Roll Racing et Blackthorn. On peut jouer les éditions originales. Oui, c'est pour ça. Bah oui, je sais, mais... J'ai un rendez-vous mardi avec Orange pour voir comment faire. Les définitives éditions, dis donc. Mis en 16/9, jusqu'à 4 joueurs en écran splitté. Et qui sortira un peu partout. The
Blizzard Arcade Collection. La Blizzard Arcade Collection. Avec les trois jeux qu'on a cités. These are ports of the games, just as c'est des portages du jeu, comme on sort, comme vous vous en rappelez, qui nous permettent de vivre l'expérience originale de ces trois jeux dans 13 langages différents. Et on a quelques upgrades. On a mis des nouvelles fonctionnalités qui n'étaient pas disponibles à ce moment-là, notamment pour tout ce qui est sauvegarde et charger les jeux. Via BattleNet, you'll automatically receive the Blizzard Arcade Collection on PC today. Et tout le monde va recevoir, si j'ai bien compris, tout le monde va recevoir l'arcade collection dès aujourd'hui. Allez, vous voulez parler des d'autres jeux vidéo ? Parlons maintenant de World of Warcraft. Bonjour tout le monde. Thanks for joining us today. No matter where you are, World of Warcraft unites us all. Whether you're exploring the Shadowlands, classic qu'on explore le Shadowlands ou le classique Azeroth ou une autre partie du Blizzard Universe. Merci d'être là. On a beaucoup de choses à vous montrer. Mais d'abord, Covenant Pride. Kyrian, take flight. Nightfey, let the hunt begin. Necrolords to war! Alors je suppose que là c'est tous les cycles de toutes les différentes races. The world has thrown a lot at us since the last BlizzCon, and the thing that's really kept everyone going on the WoW team has been connecting with all of you. Ouais, tout ce qui nous a permis de survivre l'année dernière, c'est de nous connecter avec vous. In WoW are powerful and real. As WoW enters jamais joué à WoW, moi non plus. And Blizzard celebrates its c'est les 4 congrégations de Shadowrun. D'accord, ok. Merci RP, RP notre spécialiste WoW ce soir. Alors, on va nous rappeler les événements dans Azeroth qui s'est passé depuis le début de Shadowrun. Shadowlands, we helped our covenant recover from the anima drought. Brought on by Sire Danathras, master of the Vinthir, and traitor to the Pantheon of Death. We survived the Halls of Torghast and crafted legendary gear in our efforts to expel Danathras from his castle lair. Le problème, c'est que comme il dit plein de mots que je ne comprends pas, en fait, vu que c'est du langage de WoW, je ne peux pas traduire. Désolé. They face an eternity of torment, and heroes like Anduin. C'est bizarre, même si je suis pas tout le temps les autres. Ah, j'ai dit spécialiste WoW. Sylvanas, you may be wondering what she's been up to all this time. Ah, on va avoir un peu des nouvelles de Sylvanas. We're excited to unveil our first major content update for Shadowlands. Et ils vont nous donner Chains of Domination. Allez, Chain of Domination, les contenus additionnels pour Shadowlands. Look around you. What makes you believe you're not just a weapon to achieve his ends? Enough. Join our cause. Rejoignez notre cause. Or be made to serve. Right now, you hold all the power. Make your choice, Sylvanas Windrunner. Despite all our efforts, the Maw continues to grow. What if Danathrius' treachery is irreparable? The Primus is lost, and Bastion cannot save the Shadowlands alone. None of this should have happened. Perhaps the Winter Queen could. My Archon, a living soul, seeks an audience. A mortal? A king. By all our measures, one who has spent his life striving for justice. One who would give anything to serve his people.
C'est Uther, lui, non? Whose heart is true. Very well. He may approach. Step forward. En dehors, oui, en dehors là, et Uther, okay. My ascended have spoken of you. The king held captive in the maw. That prison could not hold me forever. Why have you côté méchant actuellement. D'accord. Ah, moi je les connais juste parce que j'ai joué à Hearthstone. That I need. You will release this soul from your grasp. No. He is bound to me, just as you were sought to bind your own brother. C'était pas Sylvanas qui était reine, roi Lich en ce moment. Y'a pas de roi Lich en ce moment. Three keys your name. Then they will see. Death was never meant to be chained. Voilà, Shadowland, Chains of Domination. Sylvanas regrette, peut-être, j'ai pas tout compris tout ce qui s'est passé, mais... Vous avez sans doute beaucoup de questions à propos de ce que vous venez de voir. Et qu'est-ce que ça veut dire pour l'étape suivante de Shadowland? Et salut Gorax, bienvenue à toi, comment vas-tu? On parlera plus tard de Chain of Domination dans les panels World of Warcraft. World of Warcraft charity pet program. Alors, ensuite, on va parler du programme de charité avec les animaux. Ça va? Ben, bienvenue à toi, en tout cas. Campaign, you'll be able to donate whatever amount you wish to directly support our chosen charity. Voilà, donc comme d'habitude, vous pourrez acheter un animal pour le montant que vous voulez et ça, l'argent ira à une charité. À une œuvre caritative plutôt, on traduit. And to make this a fun challenge, if we reach a stretch goal, everyone gets a second pet too. Et si on atteint un certain niveau, eh ben, tout le monde aura un deuxième animal. Le premier, c'est Bananas. It was originally available to a select few back in Burning Crusade era, so we're excited to get. Étonnamment, il était disponible pour certains lors de la Burning Crusade, de l'ère Burning Crusade. Daisy the Sloth. Et un paresseux. She's an all-new pet who'll hang around your neck when you need a hug. Your donations during this campaign will go to support the medical humanitarian organization Doctors Without Borders. Et c'est pour Médecins Sans Frontières. Médecins Sans Frontières. Voilà. MSF avec l'accent anglais. On remercie d'avoir une communauté aussi généreuse et qui nous aide à soutenir ces causes. Toutes les informations seront disponibles sur le site de WoW prochainement. On a parlé un peu de Shadowland. Les joueurs de classique, maintenant c'est votre tour. Comme le disait Evans. For WoW Classic. Et on va nous parler un petit peu de ce qui arrive ensuite au WoW Classic. Tu joues à WoW? Alors moi non, je joue pas à WoW. Par contre RPI joue à WoW. Hi everybody. Bonjour tout le monde. First, I'd like to thank all of you who have ever been part of the WoW community. Je remercie tous ceux qui ont fait partie de la communauté de WoW. Like WoW have been a huge part of our lives for decades now.
Les mots, le second en ligne fait partie de nos vies depuis des dizaines d'années maintenant. I remember hearing that Blizzard was going to be making their own MMO. And I thought, well, I guess I'll check out that beta. And sure, we all call the game Et quand le jeu a été lancé, really, notamment en bêta, je ferai, ouais, wow, je suis bébé. Bien sûr, je vais essayer la bêta, on verra bien. I was so excited to be able to make a night elf hunter and be on like fait fort aux event 6 millions. Ouais, c'était pas pour MSF cette année par contre. I have to tell you, c'est pour Amnesty International, les 6 millions. Azeroth was and still is a place I love to live. Since last year, I've had the great honor to work alongside the WoW Classic. Depuis l'année dernière, j'ai l'honneur de travailler dans l'équipe de WoW Classic, de ramener ces anciennes expériences à la vie. Là, ça va être WoW Classic, ouais. As a fan myself, I've had so much fun in WoW. From the simple things like drive-by buffing or making friends on that long haul from Teldrassil to Ironforge. A priori, elle s'est fait des amis dans un grand hall quelque part, mais j'ai pas compris où. When I jumped blindly through the dark portal and was running through Hellfire Peninsula, heard this terrifying noise, and then saw elle a entendu un grand bruit. Biggest roamer. Ouais. Le problème, c'est comme je sais pas de quoi elle parle, je peux difficilement traduire tout ce qui se passe. And that's the thing about WoW. These stories and experiences we all share keep us coming back time after time. With that said, I'm super excited to be able to share with you where our adventures are taking us. Allez, on va nous partager next. Un petit peu où est-ce que notre aventure va se passer ensuite. Un genre de robot géant démoniaque de l'autre mer. Non, ah, bizarrement, c'est dans Burning Crusade. Ah bah dis donc, c'est dingue ça. You dare enter my realm? Est-ce qu'ils vont faire le You are not prepared à la fin? C'est à quelle heure vous venez, un bruit vraiment plus très relatif, d'accord. Of course you're un you're not prepared. Your foolishness has brought you to this end. Take my blood and choke on it. Death to the outsiders! I'll turn your world upside down! Bonsoir Santis! You are not prepared! Et voilà! World of Warcraft Burning Crusade classique! Bonsoir Santis, comment vas-tu? Bienvenue à toi! Outre-mer, Kazaran, Donjon de la Tempête, Temple Noir. Ça rappelle tellement de souvenirs. Explorer Zangarmarsh. Do you choose to enlist the Aldor or the Scryers in your quest to fight the Legion? And of course, we can't forget gathering all your friends to fight Illidan at the top of the Black Temple. Et bien évidemment, Illidan en haut du Temple Noir. C'est quoi la version classique? Alors la version classique, c'était reprendre... Il y a deux ans, ils ont lancé le WoW classique, donc c'était le WoW qui a été créé à l'origine, de quand ils ont commencé le MMO WoW. Et donc bah là, du coup, ils avancent à nouveau, a priori, et là, c'est la ressortie, en fait, de la première extension en version classique. We're bringing all these lessons into Burning Crusade Classic with our primary goal to bring back the same feeling you had when you faced the Fellreaver for the first time. Le but principal, c'est de retrouver les mêmes sensations que quand on a joué à Burning Crusade la première fois. Of course, we can't get this right without you, our incredible community. Soon, you'll be able to revisit Outland yourself when beta starts and tell us what you think.
Tu connais le canon en musique? Oui, je sais ce que c'est qu'un canon. Pourquoi? J'ai pas compris là. Do you want to move on into Burning Crusade Classic? Or do you want to stay in the original classic era? Ah, alors là, intéressant. Par contre, vous pouvez avoir le choix, soit de rester sur le monde classique, comme il y a actuellement, donc la version vraiment classique, l'original, soit de passer sur Burning Crusade. So stick with us. We'll make sure you are prepared. On fera ensuite. On en sorte que vous soyez préparés lors du panel un peu plus tard. Et maintenant, on se dirige vers Hearthstone. Zagorax peut expliquer. Ah d'accord, ok, pardon. Bienvenue. On a très hâte de vous montrer tout ce qui va arriver cette année d'Hearthstone. Mais d'abord, un petit retour en arrière sur l'année du Phoenix. Nouvelle classe, le chasseur démon. Then we went to Scholomance Academy and got to explore dual class cards and their powerful. Ils sont en train de faire un review de toutes les académies. Ça a bien changé depuis que je joue plus. Alongside the menacing old gods in madness at the Dark Moon Fair. We launched a brand new game mode, Duels. Il y a un nouveau mode de jeu, le duel, qui a eu 10 millions de matchs en son premier jour. Et il y a un système de succès qui a été lancé dans le jeu. Maintenant, c'est le temps de dire au revoir à l'année du Phoenix et on va voir ce qu'il va y avoir cette année. Et bienvenue dans l'ère du Griffon. Durant les deux dernières années, on a fait beaucoup de changements d'Hearthstone. Et on aimerait toujours délivrer des expériences fun et nouvelles. Premièrement, on va commencer par remodifier complètement le format standard, ce qui arrivera plus tard cette année. Old basic and classic sets with a collection of 235 cards made up of some of the best from throughout the years, as well as 29 awesome brand new cards. Le set classique sera composé de 235 cartes qui sont issues des anciennes expansions, plus 29 nouvelles cartes. Donc il n'y a pas eu, et c'est le meilleur moment pour commencer Hearthstone, comme tous les ans. Le classique, ça efface quand le monde a changé au moment de Burning Crusade, c'est ça. Ah, il y a première carte, Ysera, le Rêveur. Voilà, mais c'est une carte classique, ça. Maligos, tout ça, c'est des cartes légendaires, hein, on le sait par là. La gemme orange au milieu. Et finalement, everyone's favorite Black Dragon. Deathwing qui revient. Ok, alors ça en fait c'était des cartes qui devaient sans doute être exclues du set classique et qui reviennent dans le format standard, on va dire. Et on va avoir un format classique. Voilà, et on va pouvoir rejouer comme le jeu était au moment de son lancement. Et on va pouvoir se servir du set original pour jouer Hearthstone. Donc en soi, moi je pourrais rejouer à ça parce que là je connais les decks. Parce que j'ai joué à cette époque-là sur Hearthstone. Avec classique, on revoit le passé. Maintenant, allons voir le futur avec la première extension de l'année du Griffon. For a hero of the Horde. Un héros de la Horde. All roads lead to the crossroads. Tous les chemins mènent au croisement. Vous commencerez une nouvelle aventure. Your axe must be sharp. Your wits must be keen. And your heart must be mighty. La croisée. Ah, pas le croisement, le croisemé. La croisée. Je suppose que ça doit être un truc dans Hearthstone, dans Warcraft. C'est un village de WoW très connu pour les affrontements hors d'alliance pendant longtemps. Ok, bah voilà, c'est ça, en effet.
The Crossroads, ça peut être aussi traduit en croisement, mais comme je le sais pas, okay, la croisée. Pour la Horde. Forge in the Barrens. That's right. We're headed to one of Warcraft's most iconic locales. C'est vrai, on va vers The Barrens, donc sans doute la croisée. Starting with one of the Horde's most iconic and well-known. Et on commencera avec un héros le plus connu de la Horde. That embodies the honor, loyalty and spirituality of the Horde. Shadowhunter Vol'jin. Vol'jin. Shadowhunter Vol'jin is a neutral legend. Le Shadowhunter. It allows you to either bolster your own board or weaken that of your opponents. And to celebrate the announcement. J'ai pas regardé les stats. This card is available for free. Et cette carte est disponible gratuitement pour tout le monde dès aujourd'hui. And claim your free copy of Shadowhunter Vol'jin. Dès qu'on se connecte sur Hearthstone, on va avoir la carte qui va s'ajouter à notre set. Et un bonus. Ah, il est vachement bien le card back pour les 30 ans de Blizzard. Un autre héros de la Horde qui fera sa première apparition dans Hearthstone. The legendary Blademaster, Blademaster Samuro. Featuring the new keyword Rush, Frenzy. Avec le nouveau mot-clé Frenzy. Frenzy activates the first time a minion takes damage and survives. In Samuro's case, this can be used to clear your opponent's board. D'accord, c'est quand on envoie Frenzy, c'est quand on attaque un minion adverse et qu'il survit. Du coup, ça déclenche le mot-clé. Allez, le nouveau sort pour le mage. Chain Lightning is a spell in a new cycle of cards that rank up and become more powerful when you have 5 and 10 mana. Ok, c'est une carte qui upgrade. Qui se boite et qui vient de plus en plus forte au fur et à mesure de la partie, plus on a de mana, plus voilà. Je disais qu'ils ont arrêté StarCraft. Forgé dans les tarides de mon blason. D'accord, ok. Members of the Alliance will be featuring some of your most beloved heroes and locales later this year. Et on verra d'autres cartes en gros plus tard dans l'année. Enfin, a priori, il y aura plusieurs extensions sur cette thématique pendant l'année, et donc il y aura d'autres héros dans l'année. Une nouvelle manière de jouer d'Hearthstone. Hearthstone Mercenaires. Mercenaries features strategic RPG gameplay, where you build teams. Une stratégie avec des trucs de RPG. Heroes and villains from the Warcraft universe. Jusqu'à minuit, ça va durer. Timeless characters like the infamous avec des personnages connus comme Sylvanas and Ragnaros, the ou Ragnarok. Lord of Fire. You can also expect Ragnaros, pardon. Some of Hearthstone's fan favorites like the unstoppable Devil Sword, King Crush. Le King Crush qu'on and a the ever-growing Gruul the Dragon Slayer. Ou Gruul. You'll lead them in battle through highly replayable roguelike missions. Ok, c'est des missions roguelike. Ça va être un roguelike en fait. Avec une mission qui change chaque fois qu'on joue. Your heroes gain levels, new abilities, equipment, and can even evolve into more powerful versions of themselves. Ok, à chaque fois ils vont évoluer, ils vont récupérer de l'équipement et ils vont devenir peut-être même des meilleures versions d'eux-mêmes. Et ce sera prévu pour plus tard cette année. Il y en a d'autres choses à vous montrer plus tard sur la route. So don't forget to tune in to our deep dive panel after the opening ceremony. Voilà, il y aura un panel on the core set, the new classic format, Forged in the Barrens. Avec dans le panel qui arrive, ils parleront notamment du mode classique, pardon. I want to thank the team for their amazing work. And on behalf of all of us at Hearthstone, we want to thank the many millions of you who play our game. J'avoue que moi, Hearthstone, ça fait peut-être 2 ans que j'ai pas lancé. J'avais plus les 7, mais au début, j'avais jusqu'à. Jusqu'au trône de glace, j'ai eu toutes les cartes quasiment. Next up, Diablo.
everyone. Thank you very much for joining us. I am so excited to kick off the Diablo segment of our show, and I am honored to be here on behalf of all of our Diablo team. Ah, il est content d'être là, tout ça. Mais en tout, pour cette nuit, c'est jusqu'à quelle heure à peu près? Alors jusqu'à 2h30, 3h à peu près, les panels pour cette nuit. Madame Gorik. All right, let's kick things off with Diablo 4. On commence par Diablo 4. We first shared our game with you during BlizzCon of 2019. On vous a montré le jeu pour la première fois lors de la BlizzCon 2019 et on a été très humble pour votre réponse. And sincerely appreciate the thoughts and valuable feedback you've provided. Et on apprécie tous les retours que vous nous avez fait dessus. After all, Diablo belongs to you as much as it belongs to us. Après tout, Diablo vous appartient autant qu'il nous appartient. Teased an update to our campfire screen, and savvy fans, of course, understood that we meant more than just the character lighting and fire visual effects. That's right. Today, we're happy to announce a brave new soul joining the barbarian, the sorcerer, and the druid. Un nouveau héros, du coup, pour Diablo. Back to Sanctuary. A class is one of the most exciting things you can announce in a Diablo game. This one is especially exciting to me, as it's a re-envisioning of one of the first classes to ever appear in the series. Let's have a look. C'est une réinvention d'une des toutes premières classes de la série, a priori. On va regarder un peu ce que c'est. Oui, vas-y, tu peux, Hervé. I was a thief who stole from those more fortunate. N'a rien à voir, mais on a aucune info sur XCOM 3. Non, pas pour l'instant. Malheureusement. Found my trade in the shadows. They call it murder. I say, job well done. Pourquoi arracher les oreilles? Un voleur. A heretic. Un hérétique. A murderer. Father. Une meurtrière. Mon père. Will Akara save me? You mock our light. But those monsters were a scourge upon my flock. Parce que c'est Diablo encore. You were the answer. La blague est valide. Then we are settled, and you owe me. The name you seek is... Thank the heavens for you. Heavens? I assure you, Father, the heavens didn't send me. Je vous assure que c'est pas le paradis qui m'a envoyé. Ok, donc la classe voleur. Après XCOM Chimeria, une vraie surprise, je savais pas qu'il bossait dessus. Moi non plus, c'est vrai que ça a été une vraie surprise quand ils l'ont annoncé. J'ai pas encore eu le temps de le faire, mais voilà.
qu'on attaque avec la pluie de flèches, c'est sympa. Ah. Ah, c'est lui qui collectionne les oreilles, le prêtre. Super. Just the sound of that ear getting pierced by the hook is so brutal. I feel like it's going to haunt me for a long time. J'ai l'impression que ça va ce bruit là, l'oreille qui claque et que ça va le hanter pendant longtemps. Depuis le Diablo original, les voleurs étaient dans l'univers et ils ont même apparu en tant que personnages NPC dans les derniers opus. With the setting of Diablo 4 being a larger world than we've ever played in before, le monde de Diablo 4 étant tellement plus grand que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent, mais aussi ce que d'autres rogues dans le monde de Sanctuary pourraient ressembler. On va vous montrer aussi à quoi ressemblent un peu les autres voleurs. Le manta de Diablo 4, c'est la customisation en premier. Donc le voleur, c'est une classe très flexible qui est capable de s'adapter à toutes les situations. Notre but, c'est que vous puissiez créer le voleur que vous voulez jouer. Donc voilà, ça c'est que la customisation. In Diablo 4, you will have the freedom to create the rogue that you imagine by customizing the looks, the background, and the playstyle of your character. Vous pouvez customiser le look, enfin le à quoi l'apparence, l'historique et les compétences du personnage. As well as some of the open world gameplay that we're bringing to the game. Spoilers, those severed ears are not just for show. Spoiler, les 7 oreilles qu'on a vues, c'est pas juste pour le show. Mais Diablo 4 n'est pas le seul jeu de Diablo dont on va parler aujourd'hui. Si vous voulez regarder une expérience authentique de Diablo, on a ce qu'il vous faut avec Diablo Immortal. C'est un action RPG, AAA, avec une nouvelle histoire du loot épique. Qui se passe entre Diablo 2 et 3. Where they'll talk about some of the things they've learned from their recent alpha test and what's next. Et on vous pourrez discuter avec l'équipe un peu plus tard avec ce qu'ils ont appris pendant la phase alpha. Maintenant, une nouvelle dernière news à vous proposer. Ah, ça va être le remaster du Diablo 2. You may have picked up on the absolute reverent tone we reserve for that golden era of Diablo. Maybe you share that love of the classics and just hearing us talk about them. Mais peut-être que vous aimez les classiques comme nous. Mephisto or Bale one more time. Or maybe even for the first time. After all, some of our favorite moments happened a long time ago and not just in Sanctuary years. If so, we have a special surprise for you today. On a une surprise spéciale pour vous. Diablo 2 Remaster. Enfin, classique, pardon. Je vous aime bien dire classique. Arise, Diablo, Lord of Terror. Et salut Stimmy, bienvenue, comment vas-tu? Il y a 20 ans, un jeu a défini un genre. Though this be our darkest hour, it may yet be your greatest moment. Maintenant, expérimenter la terreur remasterisée pour une nouvelle génération. Bah écoute, ça va nickel, et calme. Profite un peu des news de la BlizzCon. Sur PC et console, avec une cross-progression. Et bonsoir Rock and Roll, bienvenue à toi. I
Je sais pas du tout, Sean Walker. Diablo 2 Resurrected. Retour dans l'enfer en 2021. Avant WoW, ils ont parlé d'autre chose. Ils ont le Blizzard Arcade Collection, donc trois jeux qui seront disponibles, l'Arcade Collection, qui seront donnés à tout le monde, a priori, pour fêter les 30 ans du studio. Mais voilà, c'est les seules choses qu'ils ont dû parler avant WoW. Diablo 2 Resurrected is a full HD remaster of both the original game and the expansion. Lord of Destruction. Ok, donc ça couvrira le jeu original et l'expansion. Ça va reprendre les classiques qu'on aime de l'époque que l'on aime et ça va les ramener en 3D maintenant. En espérant pour les fans de Diablo 2 que ce soit mieux que Warcraft 3 Reforged. Recreated shot for shot with the explicit intention of preserving both the look and the pacing of the original movies. Blizzard. Et du coup, ils ont refait les vidéos aussi. Cette fois-ci, est-ce qu'ils ont vraiment refait? J'espère. Default, ni classique, ni remaster, mais Resurrected. Chacun son jeu. Chaque jeu son mot, c'est clair. Ah, c'est Diablo 2 qu'ils ont remasterisé, oui. Or experience the game for the very first time on their platform of choice. On a envie que tous ceux qui veulent puissent revivre l'expérience ou la vivre pour la première fois sur toutes les plateformes qu'ils souhaitent. Donc ce sera disponible sur PC et console avec la cross progression. Et pour ceux qui adorent l'original et que vous espérez juste qu'il tourne mieux sur les PC modernes. Et vous pourrez donc en gros profiter du jeu original. Bien sûr, il y a beaucoup à parler. Il va y avoir un tour de table avec un des speedrunners de Diablo. Si vous êtes fan de Diablo 2, on vous encourage à y aller. Donc, de Diablo 2 Resurrected. To the Blizzard Arcade Collection. La Blizzard Arcade Collection. And while we have teams dedicated. Nous reste quoi, Overwatch qu'on n'a pas vu encore? Timeless experiences into your hands. It's actually a very small percentage of our developers working on these projects. Far more people are working. Tout ce qu'on a vu, il y a très peu de développeurs qui travaillent dessus. La plupart des développeurs travaillent sur ce qu'on vous a pas encore montré. On a hâte de vous montrer ce qui passera pour cette année et après. Mais c'est moi ou ils n'ont pas du tout parlé d'Overwatch par contre, où j'ai eu un blanc. If you think about the people who play games and the communities that have grown up around them, the way people can connect instantly, no matter where they are in the world. The way people are increasingly able to express. Non, pas encore. D'accord, ok. Je me suis pas semblé, parce que là, a priori, il a l'air de conclure, j'ai l'impression, plus l'heure qu'il est, on n'est pas très loin de la fin. Ils vont annoncer le 2. Alors, il est déjà annoncé le 2. Il était annoncé l'année dernière. It would have been hard to imagine any of that 30 years ago. And at Blizzard, that is what excites us about the next 30 years. There is so much that we're working on. Ouais. Ok, ouais, il reste. Alors, on travaille sur beaucoup de choses. Il y a des choses que vous savez déjà. Le reste, on a hâte de vous en parler. Quand le moment sera bon. The worlds of Warcraft, Diablo, Starcraft, Heroes of the Storm, Overwatch, and Hearthstone are diverse, expansive, and. Les mondes de nos différents jeux sont divers. On the experiences that you've come to expect from us. We're also exploring different ways. Et on explore de nouvelles manières d'exprimer nos mondes. More places into them. And we aspire to continue to lead on priorities like accessibility.
et on continue de donner la priorité à ce qui est accessibilité, ce genre de choses, et avoir un impact positif sur le vrai monde. On essaie de retrouver le sentiment qu'on a eu la première fois qu'on a tous battu le roi Lich. Ce travail sur des nouveaux jeux, il paraît, mais du coup, on n'en sait pas plus pour l'instant. On aurait bien un petit quand même one more thing avec quelque chose qu'on n'a pas encore vu. Quoi. Bien sûr, il y a de nouveaux mondes bizarres qu'on n'a pas encore visités. Mais quand on vous les montrera finalement, on espère que vous verrez comme nous que n'importe d'où vous êtes, n'importe qui vous êtes, on pourra créer de nouvelles histoires et faire des souvenirs qui dureront toute la vie. Creating the most epic entertainment experiences ever, along with our core values, led by gameplay. Déjà, il y a un nouveau launcher. Ah, c'est bon. On est content qu'il y ait un nouveau launcher, ça. For me personally, it is the honor. À l'instar de l'E3, par exemple. Bah, l'E3, je suis pas sûr qu'on en ait encore cette année, mais. To be the caretakers of the worlds that you play in. Bizarre, ils ont rien dit sur le launcher. Bah, pour moi aussi. On est vraiment excités sur ce qui arrivera cette année et dans les trois années qui viennent. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ensuite pour le show? Ça dépend de où vous regardez. Pour ceux qui veulent un update sur Overwatch. Ok, donc là, il va expliquer le système de différentes chaînes. Sur la chaîne Overwatch, on parlera d'Overwatch 2, de nouveaux contenus, nouvelles maps. Et qu'est-ce qui fait qu'on pense que Overwatch 2 sera un monde unique? And on the dedicated strategy channel, some StarCraft legends. Sur la chaîne stratégie, il y aura des compétitions a priori de StarCraft avec des légendes. Et une nouvelle fois, bienvenue à la BlizzCon Online. Et encore mieux, bienvenue à la maison. Avant de nous quitter, une petite dernière chose. Hey, thanks for having us. Ah, Metallica. Thanks for having us at BlizzCon 2014. We would love to be there this year. But obviously can't be. So ils étaient là à la BlizzCon 2014. Here we are, and this is for you. Du coup, ils vont jouer une petite musique. Alors, j'espère que je vais pas me faire DMCA à cause de Metallica, par contre. A priori, c'était le groupe qui était là à la première BlizzCon. Je vais aller sur aucun panel, enfin pas en live en tout cas. En fait, j'ai le manque de connexion pour continuer. Mon forfait 4G arrive à la fin et il recharge en 2 jours. Oui, je suis en 4G dans ma nouvelle maison, malheureusement la connexion est pas top pour le moment. J'attends l'arrivée de la fibre, j'espère rapidement. Mais ça va avancer là. Comme je disais, j'ai rendez-vous à Orange mardi pour voir ça, et s'ils peuvent pas le faire, bah, soit je fais à notre opérateur, parce que je suis... Elle est ouvrable chez d'autres opérateurs. Donc...
peu, ils font pas partie de ceux qui sont la fibre de chez moi. Je vais sans doute chez Canette. Ah oui, normalement je connais. Faut être ordonné. Ah non, c'est une musique de Metallica, ça. Ok, c'était Metallica du coup qui était là pour la BlizzCon Online. Et voilà, c'était donc du coup la fin de la BlizzCon Online. Pas d'Overwatch 2, directement sur les annonces. Ah. Ah là, c'est les jeux de l'Apple Arcade. La Blizzard Arcade, pardon. 4h comme mon frère, et tu pourras aller dodo. Bah, bon courage à toi. Tu disais déjà fort dehors à l'époque. Il y a Warcraft et Warcraft 2 qui sont dans leur truc d'arcade. Enfin, je suppose. Le premier Diablo qui va être dedans. Your death will. Non, ils ont pas annoncé le Warcraft 4. Non. Morta, Vespa, Gaia. Ah, juste travail de cerveau qui. Ah, ça retrace bizarre. D'accord, ok, autant pour moi. J'avais pas compris. Warcraft 3. Dommage que le Reforge soit pas bon. You are not prepared. Frostborn hungers for your soul. Ah.
No. 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 Strange. Quoi? C'était quoi ça? Personne. Greetings to you. Seems you're ready for the real thing. Watch your back. Hey, look at me. Oh, looks like we got an audience. I'm getting good at this. I am in the groove. Do it online. Surprise! Piece of cake. Voilà, les 30 ans de Blizzard. Joyeux anniversaire Blizzard. Ok, bon a priori on a fini du coup avec cette conférence. Hop là, pardon. Attendez, c'est vrai qu'elle se réactive toute seule celle-là, hop là. Non, c'est pas ça, j'ai arrêté. Allez, on va couper le son là-dessus. A priori, ils repartent sur du WoW ici. Moi, du coup, je vais arrêter à ce niveau-là. Je voulais juste faire la conférence comme à chaque fois. Donc là, sinon, il y a les différents panels qui sont lancés si vous voulez aller voir sur les différentes chaînes. Vous pouvez aller voir, je sais pas la bonne journée, le 20. Là, on va avoir pour l'instant sur la chaîne Blizzard, World of Warcraft et la suite qui est aussi disponible sur la chaîne World of Warcraft. Sur Hearthstone, tout sur Hearthstone, Diablo, des nouvelles de Diablo, Overwatch dans les coulisses d'Overwatch 2 et sur la chaîne Stratégie, les légendes de Starcraft. Voilà donc pour ce soir. J'ai vu que j'avais une question tout à l'heure, je n'ai pas répondu. Tu joues à quoi en ce moment de la part de Gorax? Je joue à tous pardon, aux jeux qui sont diffusés sur la chaîne puisque tous les jeux auxquels je joue, c'est pour être diffusé sur la chaîne. Sachez que j'ai enregistré toute la série sur Call of Duty Black Ops Cold War qui commencera du coup la semaine prochaine. Je vais l'uploader chez un ami qui va me permettre d'uploader toute la série d'un coup, qui permettra de la diffuser à partir du milieu de semaine prochaine. Ok, tu vas basculer sur le panel Overwatch du coup. Bah, bonne soirée à toi Sean Walker, merci d'être passé et d'avoir suivi ça avec nous. Pour rappel, avant que vous partiez, je vous rappelle que mardi, si vous voulez, mardi soir, 21h sur la chaîne YouTube, pas sur la chaîne Twitch, il y aura la première du film du jeu que j'ai réalisé sur le jeu Hitman, le premier. Donc voilà, ça durera 1h38 le film, donc plus les 2 minutes d'intro comme d'habitude. T'en es arrivé là, si le système... Bah c'est ça, donc je remercierai Keto pour me permettre de... d'uploader toute la série Call of Duty demain après-midi. Et du coup, je commencerai à diffuser jeudi, je pense. Jeudi, et du coup, les 11 épisodes. Mais voilà, donc merci à lui, c'est cool. D'ailleurs, si vous ne le connaissez pas, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. Il fait des choses sympas et on jouera ensemble la semaine prochaine. Bah tiens, pourquoi mon SO n'a pas marché? Ah si, ça y est. Mais voilà, c'était cool. Merci en tout cas d'avoir été là. C'était cool cette première cérémonie. Un petit peu compliquée avec la connexion qui est... Ma connexion qui n'est pas ouf en 4G. Désolé pour ça. J'espère vraiment avoir la fibre très vite pour pouvoir refaire des conditions normales. Mais voilà, si mardi j'ai rendez-vous chez Orange. Si chez Orange on ne me donne pas satisfaction, c'est-à-dire qu'ils ne me disent pas que je suis éligible... Eh ben, je passerai chez un autre opérateur parce que je suis éligible chez eux. Donc, j'irai sans doute chez Canet. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce live. On va aller voir... on va aller voir FF qui fait du Stardew Valley ce soir. Je vous remercie de passer. Merci à toi. Toujours mille fois plus plaisant de voir les comptes avec un PP qui commente. Bah, avec plaisir. Je suis content que ça vous plaise en tout cas. Canet, alors c'est pas comme ça, c'est K-net.
Mais voilà. On va aller voir FF du coup ce soir. Il y a longtemps qu'on n'était pas allé le voir. Donc voilà. Mais sinon, pour résumer, donc on a eu des news sur Warcraft. Enfin, WoW avec... Hop là, pardon. Là. Du calme, FF, du calme. Pourquoi c'est sur le raid que ça se lance la vidéo? N'importe quoi, ça. Il se passe des trucs bizarres sur mon stream. Mais voilà. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi. On a eu plein d'annonces, mais enfin plein d'annonces, mais pas grand chose. Pas de surprise. Pas vraiment de surprise. À part le Hearthstone classique, j'avais pas vu. Donc, mais tant mieux de pouvoir rejouer avec le set original. Mais voilà. Je vous remercie. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et on se dit à mardi sur la chaîne YouTube pour la première de Hitman. Salut tout le monde.